Les joueurs du SCO avaient le sourire vendredi soir. Après 3 défaites consécutives, ils ont enfin réussi à s'éloigner de la zone de relégation en s'imposant à domicile face à Bastia. Un premier but d'Anthony Modeste en 2 temps, puis un second après ce pénalty concédé sur Malik Couturier. Anthony Modeste inscrit le 2e but en juin de la rencontre, le 9e à son compteur personnel cette saison. Victoire 2-0 malgré quelques occasions ratées en fin de rencontre. C'est le seul petit regret, mais bon, c'est vraiment anecdotique parce que je suis très très heureux de la victoire ce soir qui était indispensable. C'est confirmé, ça va bien pour Saint-Léonard. Une semaine après avoir remporté un succès probant à Blois, les joueurs de Jacky Périgois se sont imposés à domicile face au Centre fédéral. Victoire 81-68. Le Centre fédéral, c'est une équipe de formation de jeunes joueurs. Leurs adversaires ont souvent le réflexe d'être moins durs et moins concentrés. Il aura donc fallu un petit effort dans l'agressivité en seconde période pour s'assurer la victoire. Mardi, c'est une toute autre histoire qui attend les joueurs de Saint-Léonard. En Coupe de France, ils accueillent le mythique club de Pau-Orthez, aujourd'hui 3e de Pro B. C'est plus que le petit pousset, donc c'est vraiment fantastique quoi, pour le club, pour la ville aussi en général. Et puis les garçons, là pour le coup, ils peuvent complètement se lâcher, ils ont juste l'obligation de prendre énormément de plaisir sur un match de ce type. De leur côté, les joueurs de l'ABC ont connu leur 2e défaite ce week-end à Longwy, 69-67. En Coupe de France, ils recevront Poitiers le mardi 17 novembre prochain. Et puis notez que les filles de l'Union Féminine 49 restent leaders et invaincues de National 2. Ce week-end, elles se sont imposées à Poitiers 55-44. Notre coup de chapeau va à l'équipe de France de Kinball, composée en majorité de joueurs angevins et rennais. Ce week-end, ils ont accroché la médaille d'argent au championnat du monde de cette discipline étonnante. À Montréal, ils se sont inclinés face aux Canadiens. Et dans 2 ans, ils iront tenter de nouveau leur chance, cette fois-ci au Japon. Serge Girard est un coureur étonnant. Il vient d'entamer le tour de l'Union européenne à pied. Ce lundi matin, il repartait des Ponts de Cé pour son 11e jour de course. Il va courir 365 jours à raison de 70 km par jour, au total 25 000 km. La route, l'asphalte m'a tout donné. Finalement, je dis souvent que j'ai 2 dates de naissance. La première, c'est l'état civil. La deuxième, c'est où j'ai découvert la course à pied parce que je suis devenu un autre homme et je suis vraiment un homme heureux. À suivre dans Sport 7 cette semaine, le reportage complet sur Serge Girard et notre invité Jean Abaru-Réma qui nous parle du cross du Courrier de l'Ouest.